Je voudrais, madame, vous saluer et vous souhaiter la bienvenue ce soir. Par courrier numéro 7, SSU Dallois, le médecin-chef du médico-scolaire, portant la connaissance de madame Legren, le calendrier du déroulement est visite médicale systématique de l'année 2013-2014. Suite à ce courrier, madame, le 13 décembre, a adressé un autre courrier au chef de structure que vous êtes pour vous informer de la visite systématique qui devait avoir lieu. En plus de cela, elle avait demandé que chaque chef de structure organise la visite en son sein. Vu que le déplacement de nos élèves, surtout les plus petits, des lieux d'études aux médico-scolaires comportaient beaucoup de déperditions, certains n'étaient pas en classe, n'étaient pas non plus à la visite. Donc il était question donc que la visite ait désormais lieu dans les structures. Maintenant que cette visite est close, il était bon que nous écoutions le médico-scolaire, pour savoir un peu comment les choses se sont passées, quelles sont leurs satisfactions, quelles sont leurs attentes, pour que l'année prochaine, nous puissions mieux appréhender la chose, puisque c'est cette année que nous avons fait cette expérience. Donc, dans un premier temps, je vais passer la parole à Mme Legren qui a présenté à nous. Dans un deuxième temps, je vais présenter le docteur va nous montrer un peu la situation de la visite 2013-2014. Et en troisième lieu, nous allons voir le divers. Madame Legren. Merci. Et donc, un amendement, nous allons laisser la parole au docteur. Et à la suite du docteur, il sera maintenant entre nous et on aura échangé. Madame Legren, Monsieur le secrétaire général de la Legren, Monsieur le chef de service, je suis le docteur Yaoundé Aristide, médecin adjoint médico-scolaire de Dallois. Je suis là cet après-midi pour vous faire un bref résumé de la visite médicale systématique que nous avons organisée dans les différents départements de Dallois. Et il faut dire que les visites médicales de cette année, l'année scolaire 2013-2014, a débuté le 7 janvier et a pris fin le 14 avril. Et au cours de cette visite-là, nous avons eu à visiter 20 134 élèves qui se répartissent comme suit. Au préscolaire, nous avons eu 681. Au secondaire, 6612, au primaire plutôt 6612, et au secondaire, 12841. Donc, vu l'effectif des élèves de Dallois, nous avons constaté que la mobilisation a été faible. Mais il faut relever certaines satisfactions au niveau de cet établissement, vraiment, qui ont mobilisé vraiment les élèves à cette visite-là. Je ne voudrais pas citer l'établissement, mais nous savons dans le rapport que nous avons transmis à la DRENET, cela est bien marqué là-dedans. Et au cours de cette visite-là, nous avons eu à détecter certains cas, notamment les affections dentaires, les affections urogénitales, les troubles visuels et auditifs, les troubles dermatologiques et aussi nous avons eu à détecter aussi des anomalies, notamment un cas d'hermaphrodite, bien l'école primaire dont j'ai tiré le nom. Et la difficulté s'est trouvée dans certains établissements où il n'y a pas eu vraiment la mobilisation, mais aussi dans les établissements où on n'a pas pu faire la visite médicale. Déterrer le nom parce que ça va aussi dans le rapport médical, le bilan que nous avons déposé. Et pour ce qui est
des propositions que nous voudrions pour l'année prochaine. Vu l'effectif des élèves de nos différents établissements, nous avons souhaité que l'année prochaine, pour l'année scolaire 2014-2015, nous puissions commencer les visites médicales en début de rentrée. Pour prendre vraiment en charge tous les élèves de nos différents établissements. Et aussi, de ne pas faire la relation visite médicale et classe d'examen. Parce que la visite médicale, c'est pour détecter des maux que nos élèves ont, et non pour faire les examens DPS. Et pour ce qui concerne aussi la prise en charge des cas détectés, actuellement, il est prévu une réunion technique au niveau du programme national de santé scolaire universitaire pour voir comment prendre en charge les cas qui ont été détectés. Je pense que bientôt, un retour vous sera fait en concernant ces différents éléments. Maintenant, concernant les ristournes, je pense que nous avons transmis à la DRENET ce que les établissements devraient avoir. Donc voilà pour résumer la visite médicale au niveau de l'établissement de Daloa pour cette année scolaire 2013-2014. Je vous remercie. Merci. C'est très, vous savez, je sais que on est très pris du fond des examens, du simple examen, on a beaucoup d'activités. Mais je voudrais vraiment féliciter M. Cablan, parce que c'est hier, entre 10 000 réunions, je lui ai dit de tout faire pour vous appeler ce soir. C'était le samedi plus tôt, samedi matin, vendredi après-midi soir, pour qu'on se retrouve. Et il a pu appeler tout le monde, faire représenter le médico-scolaire, c'est heureux. Effectivement, on a lancé plusieurs projets. Hein. Là, dans ma chemise, c'est la santé pour les élèves. J'ai une chemise santé pour tous, à l'intérieur, santé pour les élèves et santé pour le personnel. Donc, on devait faire aussi des visites. Alors, nous sommes à la fin de l'activité. On n'a pas encore fini, on a encore des élèves. Mais il était heureux qu'on se retrouve pour faire du point. J'ai adressé un courrier au médico-scolaire demandant qu'à la fin de la visite, un rapport écrit soit déposé à la DRENET pour que je puisse apprécier, peut-être en profane, mais je vais savoir quand même les pathologies dont souffrent les élèves de façon générale pour que peut-être au niveau plus général, on puisse prendre certaines dispositions si nécessaires. Parce qu'il y a des cas de vaccination qu'on peut demander au niveau de l'hygiène et de santé. Alors donc, ce rapport m'a été déposé. Le docteur Manda était venu à la circonstance avec un de ses collègues. On a pu commenter. Et donc, par la suite, on a tenu d'autres réunions, justement, pour mener d'autres actions, pour accompagner, pour appuyer, pour rendre la chose presque obligatoire, parce que cette activité que nous menons est soutenue hautement par le ministère. J'ai en main la lettre de M. Meya, le directeur des écoles, lycées et collèges. Nous ne faisons rien de régional, ce sont les consignes du ministère. Nos enfants viennent de tous les milieux. Il y en a qui sont peut-être de familles aisées, je veux dire, en ville ici, qui ont la chance de bénéficier d'un suivi médical. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, ces visites-là sont vraiment, elles sont offertes à ces élèves-là de se faire suivre médicalement. C'est très important. Parce qu'un élève peut rater un premier trimestre, le système lui offre un deuxième trimestre affecté d'un quotient 2, un troisième trimestre, il peut même sauver son année scolaire. Il peut même rater les trois trimestres et puis redoubler. Mais s'il a un grand problème de santé qu'on n'a pas à détecter, en matière, il n'y a pas de redoublement. C'est pour ça qu'il faut soutenir l'activité. C'est le meilleur choix. Il y a aussi que dans nos cultures, les infirmeries, quand elles existent, ne sont pas équipées, dotées, il n'y a pas le même minimum. Et c'est la question habituelle, il n'y a pas d'argent, et le projet se
effectivement n'a pas tendance à dire que l'enfant malade doit se retrouver au médico. Si on apprend bien d'enfant à Daloa, si pour une blessure faite au genou, au coup de PS, le pauvre enfant doit traverser toute la ville de Kalil jusqu'au médico scolaire, mais il va, je vais dire, prendre d'autres risques. Voilà. Donc nous, on souhaiterait vraiment que, en rendant la visite médicale obligatoire, qu'on soit à quoi m'attendre, que les fonds qu'on va pouvoir mettre en place dans les retours, que ces fonds-là, ça va être un peu comme notre partenariat avec les photographes, dont les retours aujourd'hui permet de réaliser beaucoup de choses. Donc c'est un peu ça que nous avons signifié à cette réunion que nous avons tenue et à laquelle on prie par M. Dion pour les proviseurs et M. Hilaire Couraille pour l'inspection préscolaire. C'est ça. Donc on a commencé timidement, mais l'année prochaine, ça va être fait de façon générale et de façon plus formelle. Les visites sont obligatoires. Les tarifs sont fixés depuis le ministère, signé par M. Méa. 200 francs par élève du premier, du primaire et 500 francs par élève du secondaire. Apporter ça à la connaissance de tous les élèves, à la connaissance de tous les parents. Comme je l'ai dit, ce n'est pas régional, c'est national. Ça n'a pas de prix. Vous saurez les mots à trouver pour expliquer cela à vos parents d'élèves, pour expliquer cela à vos élèves qui souvent ne comprennent pas trop bien les choses, qui pourraient se lever contre cette activité-là. Il faudrait vraiment leur expliquer. Peut-être même des fois appeler le médecin pour adresser. Mais il faut que ces enfants viennent. Il n'y a pas que le poids des jamais, le docteur l'a dit, je suis d'accord. Mais en même temps aussi, on va bénéficier des ressources. Il faut expliquer aux élèves et personne ne dira « Ah, je n'ai pas de médicaments » ou « Je n'ai pas d'infirmerie ». On peut ne pas avoir d'infirmerie. Une infirmerie, c'est quoi? Avoir une salle. On peut ne pas avoir une salle. On peut ne pas avoir un infirmier. Mais on peut avoir une boîte. Comment vous appelez ça? Boîte pharmaceutique. Voilà. À se fournir. On peut avoir un petit fond qui permet de mettre rapidement un enfant dans un taxi pour aller rapidement aux médicaux. Au lieu de tourner, non, le dire, c'est pas d'argent, on va appeler les parents. Pendant ce temps, l'enfant a fait une crise d'asthme et le pire peut arriver. Ce fond-là doit servir à ça. Ça, on va là aussi tenir cela. Les photos que nous avons, l'opération photo que nous avons initiée, suit bien des règles. Et c'est parce que les règles sont respectées qu'aujourd'hui, nous avons ces résultats-là. Ce n'est pas de l'argent à garder pour peut-être acheter un photocopieur ou bien pour acheter. Je ne dis même pas que vous détournez, que vous restez trop pour ça. Mais ce n'est pas destiné à autre chose, c'est pour la santé. Si ça peut reprendre l'infirmerie, c'est tant mieux. Si ça peut aménager une salle qui existe déjà, qui demande aménagement pour en faire une infirmerie, pourquoi pas? Si ça peut servir à payer les services d'un infirmier que vous connaissez à la retraite quelque part, pour venir deux fois par semaine dans vos structures, voir vos élèves. Tout ça, il faut mener des réflexions autour de l'utilisation de ces fonds-là. Aujourd'hui, nous sommes là dans le secondaire, dans le primaire, 200 francs par élève, on s'est dit pour cette année, on n'en a pas tellement pas. Mais dans le primaire, on a plus de 200 000 élèves. Si même on exclut les petits villages où il n'y a pas de médecins, les chefs lieux, on peut vraiment exploiter cette activité qui prend finalement deux avantages. Soigner nos enfants, détecter le plus tôt possible les pathologies et puis en même temps avoir un peu d'argent pour faire face aux besoins aux besoins médicaux. Voilà. Donc voilà un peu. Et donc ce soir, sans toute transparence, j'ai appelé le médecin. J'en fais leur part. Tant que j'ai demandé, parce que c'est l'aide que j'ai envoyé à Piasso, au préfet, à Piasso, à l'institution, je veux un rapport. Je me dis, parce que les enfants disent, ah, madame, quand ça va, on fait comme ça seulement, ne nous regarde pas bien. Mais je vous dis que j'ai eu la préoccupation, vous les regardez bien, parce que vous n'avez pas, c'est un médico, ce n'est pas, je veux dire, la plus âme avec des appareils, aller voir, machin, etc. Mais il y a un minimum quand même qu'on doit faire. Et le rapport, j'ai fait tellement passer, docteur, mon rapport, je pense que le docteur a compris que d'ailleurs j'ai été là-bas plus d'une fois pour voir. C'est très curieux, cette question de santé.
Alors donc, en toute transparence, ils ont fait le travail. Ils voulaient nous laisser les fonds au fur et à mesure. On a dit non, on se fait confiance. D'abord, on n'a pas de caisse pour tu vois, les gens. Et puis, bon, et qu'on se fait confiance. Allez-y jusqu'au bout. Ce n'est pas vraiment des préoccupations d'argent. Mais c'est plus pour que nos enfants comprennent. Hein, ils sifflent, ils jettent des cailloux, mais ce sont des enfants entiers et à nous qui comprennent qu'ils doivent se faire soigner. Donc ce soir, en toute transparence, le point va être fait. Il y a un fonds pour la terre. Nous, on a déjà su comment on a utilisé. La masse des jeunes filles à travers la ville, dès qu'on cherchait de l'argent, justement, on n'avait pas d'argent. Dès qu'on a eu cet argent, c'est ça qui a couvert la masse, une partie. Les zéro grossesses, ça s'est ému. Et là, on a d'autres projets par rapport à ça, etc. Donc, cette année, on va vous donner les fonds. Il faudrait déjà envisager l'utilisation de ces fonds-là.